Sais-tu qui est ton père? Non, malheureusement. J'étais beaucoup trop jeune pour me rappeler de lui. Mais ma grande sœur Anna l'a bien connu, elle. Elle me disait toujours à l'époque qu'il travaillait loin, à l'étranger. Elle disait aussi que notre père était un homme très respecté et très gentil. C'est trop cruel que j'ai pas eu la chance de le connaître. Et si tu revoyais ton père un jour? Je pourrais ne pas croire que c'est lui. Peut-être que si c'était ma grande sœur Anna qui me disait que c'est lui, je pourrais croire qu'il dit la vérité. Mais avant le moment où Anna me confirmera que la personne qui se tient devant moi est notre vrai père, je ne le croirai pas. Es-tu très en colère contre lui? Contre ton père? Je crois pas qu'on puisse être en colère contre une personne qu'on ne connaît même pas. Et en plus, j'ai déjà un père. C'est mon papa Hermès. Pour moi, il a été mon père tout ce temps. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Je pense que vous êtes un très bon père. Vous êtes un très bon père pour Chloé. Je peux sentir au fond de vous que vous l'aimez de tout votre cœur.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je le hais. Je le hais profondément, papa. Mais qui ça, enfin? C'est Louis? Manuel? Qu'est-ce qu'il a essayé de te faire encore? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas essayé de faire, oui? Être un bon père pour sa propre fille, alors qu'il est si parfait avec Chloé. Victoria, est-ce vraiment au-dessus de tes forces de pardonner, Emmanuel? Je sais que tu voudrais vraiment lui pardonner. Quoi que tu dises, je sens au plus profond de toi-même que tu désires toujours être la fille de Manuel. Calme-toi. C'est rien. Calme-toi. Ça va aller. Voilà, fais le contour comme ça. C'est très bien. Tiens, va chercher un autre crayon. D'accord. Fais attention à l'aiguille. Voilà. Comme ça, maman? Ah, t'es mignonne là-dedans. Je ne renoncerai jamais, Anna. On se reverra bientôt. On se reverra très bientôt. Je pourrais te pardonner, seulement si toi tu pouvais ramener ma mère et ma sœur à la vie. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Je
crois pas qu'on puisse être en colère contre une personne qu'on ne connaît même pas. Et en plus, j'ai déjà un père. C'est mon papa Hermès. Pour moi, il a été mon père tout ce temps. C'est qui ? Monsieur Hermès ? Oh, mon Dieu. Est-ce que j'ai l'œil là ? Oh, mon Dieu. Monsieur Manuel, rentrez, entrez. Je vous en prie, il y a un problème. Je suis vraiment désolé, monsieur Hermès. Je sais qu'il est très tard. Mais je dois absolument parler à Jelai. Oh mon Dieu, eh bien, c'est important à ce point-là. Est-ce que ça concerne ? C'est le travail. Si vous voulez, je peux passer un message demain matin. C'est à quel sujet ? En fait, ça peut attendre demain et je lui dirai moi-même. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Dites-lui juste que je suis passé la voir ce soir. Merci, monsieur Hermès. Merci. Sincèrement. Il est là. En fait, Manuel souhaiterait parler avec toi. Fais-le partir, papa. On n'a plus rien à se dire, de toute façon. Au contraire. Tu te trompes. Ce n'est pas le moment. Alors quand, dis-moi. C'est ce que vous devrez faire de toute façon. Vous comprendre l'un l'autre et vous pardonner. Pas maintenant. Je ne suis pas encore prête. Elle n'est pas encore prête, Manuel. Ronaldo, tu penses probablement que je suis une personne horrible. Mais ce n'est pas grave. C'est la vérité, après tout. Je n'ai pas été un père dévoué pour mes propres enfants. Mais jamais, à aucun moment, je n'ai cessé de les aimer. L'amour. Quand j'ai découvert Anna, je veux dire Victoria, elle en avait été si cruellement privée dans sa vie. Des mots creux, mais des mots qu'elle aimerait quand même entendre de ta part, c'est pas grand-chose. Je te suis très reconnaissant, Ronaldo. Qu'au moins, d'une certaine façon, Anna ait pu connaître le véritable amour d'un père.
à travers toi. Tu as su combler tous les fossés que j'ai creusés par mon absence. Merci infiniment. S'il te plaît, pardonne-moi aussi. Pour avoir été celui qui a rempli les obligations auxquelles j'ai tourné le dos. Tu sais, de mon côté, jamais, Manuel. Écoute-moi bien, jamais. Je n'ai pensé un instant que Victoria était une simple obligation, ni même une corvée. C'était un réel plaisir. C'était un privilège de devenir le père de Victoria. C'est pourquoi je voulais te remercier également. À cause de ce qui t'est arrivé, j'ai enfin trouvé un sens à ma vie. De ces jours, Manuel, tu verras, elle arrivera à te pardonner. Et voilà. Merci beaucoup. Jelai. Jelai. Oui, papa. Reste là, attends-moi, je vais te payer. Jelai, ton petit déjeuner, tu l'as encore oublié à la maison. Merci beaucoup, je dois filer maintenant. Attends, viens ici. Ah, Monsieur Manuel est passé ici hier soir. Il voulait te parler, mais il t'a vu, tu dormais déjà. Tu ronflais si fort, alors je t'ai pas réveillé. Mon Dieu, papa, mais je ronfle pas quand je dors. Ah, c'était peut-être ta mère, parce qu'il y avait clairement deux ronflements différents. Et attends, papa, que voulait Monsieur Manuel? Parce que je dois vraiment y aller, là. Eh bien, il a dit... Je l'ai sur le bout de la langue. Allez, papa, dépêche-toi. Attends, ne bouge pas. Je vais être en retard. Oh, bon sang, je n'arrive plus à me rappeler. Bonté divine, papa, il faut vraiment que je... Attends, j'ai l'air. Essaye de te rappeler la attends, nuit dernière et appelle-moi, peut-être papa, que d'accord j'ai rêvé toute cette scène, au cette revoir nuit. Je me demande bien ce qu'il a dit. Chloé? Papa, au cas où il ne viendrait pas ce soir, peux-tu être mon cavalier? Bien sûr, Chloé. Ce sera un vrai plaisir. Mais joli comme tu es, il n'aura pas de chance s'il rate cette soirée avec une princesse comme toi. Tu sais quoi, Chloé? S'il est vraiment amoureux, il devrait essayer de se battre pour toi. Et c'est maintenant la meilleure occasion pour lui de te prouver cet amour. Oui, papa. Merci. Je vous en prie, entrez.
Cette robe est une Ronaldo originale. Un classique. Éloigne-toi, s'il te plaît. Tu pourrais l'abîmer. Et toi, tu m'as ramené ma robe? Est-ce que c'est ça? Oui, madame, la voilà. Très bien, Jelai. Laisse juste la robe ici avec moi et assure-toi que tout est prêt pour l'événement. D'accord? Je veux que le lancement soit une réussite. Oui, Miss Victoria. Elles vont enfin se revoir. Je vais enfin pouvoir réparer mes erreurs envers vous. Angela est vivante. Je vais lui faire rencontrer sa grande sœur. Cette fois, c'est sûr. Tu vas pouvoir me pardonner maintenant. Où est Vera? Pourquoi? Elle n'est pas censée venir. Chloé, sors d'ici! Sors d'ici tout de suite!